Well, Jean-Luc, I must say that. Eh bien, Jean-Luc, je dois dire. I'm absolutely in agreement with that what was spoken here prophetically. Que je suis absolument en accord avec ce qui a été dit ici prophétiquement. What I heard here tonight. Ce que j'ai entendu ce soir ici. Has a great echo in my heart. Fait un grand écho dans mon cœur. The day for Switzerland has come. Le jour pour la Suisse est venu. Hallelujah. 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 And et that day is the day of salvation. Ce jour est le jour du salut. There will never be a better day than now because this day is the day of salvation. Il n'y aura jamais un autre meilleur jour qu'aujourd'hui parce que aujourd'hui est le jour du salut. Some people pray for a better day. I say to you, the day has arrived. Certains... This day is the day of salvation. Certains prient pour un meilleur jour, mais je vous le dis ce soir, ce jour est le jour du salut. Amen. 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 Thank you for all the love that you have showered upon me. Merci pour tout l'amour que vous avez répandu sur moi. I am deeply touched. Je suis profondément touché. Praise God. Gloire à Dieu. It is true. I saw a vision of a blood-washed Africa. Il est vrai que j'ai vu la vision d'une Afrique lavée par le sang. And it got me out of bed. Et que ça m'a sorti du lit. It really did. Ça l'a fait réellement. God showed me a vision of a blood-washed Africa. Four nights in a row. Dieu m'a donné une vision de l'Afrique lavée par le sang 4 nuits de suite. And four times in those four nights, I heard the voice of the Holy Spirit cry, "Africa shall be saved." Et quatre fois pendant ces quatre nuits, j'ai entendu la voix du Saint-Esprit me dire, "L'Afrique sera sauvée." Amen. Amen. That sentence is not my invention, it came straight from the throne of God. Cette phrase n'est pas mon invention, mais elle est venue directement du trône de Dieu. Africa shall be saved. L'Afrique sera sauvée. Today I say by the grace of God. Aujourd'hui je peux dire par la grâce de Dieu. Africa is being saved. L'Afrique est en train d'être sauvée. Amen. Amen. I feel the same for Europe and for Switzerland. Et je ressens la même chose pour l'Europe et la Suisse. We will be surprised. Nous serons surpris. But God will do it. Mais Dieu va le faire. And he has already started. Et il a déjà commencé. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Hallelujah. Hallelujah. I grew up in North Germany. J'ai grandi au nord de l'Allemagne. In the coastal area. Dans la région côtière. The tides are there. Ebb tide, flood tide. Il y a là des marées qui montent et descendent. And we boys, small boys in those days, loved to play in the mud when it was low tide. Et nous, les petits garçons, nous aimions jouer dans la boue alors que la marée était basse. And there were barges lying in the mud. Il y avait des barges qui étaient là enfoncées dans la terre, dans la boue. Filled with building materials, bricks and sand and the like. Remplies de matériaux de construction comme des briques, du sable et des choses identiques. They were built for tidal traffic. Elles étaient construites pour fonctionner dans le trafic avec les marées. And there they sat in the mud. Et elles étaient là, fixées dans cette boue. I don't know how heavy, 100 tons, 1000 tons, I don't know. Je ne sais pas quel était leur poids, 100 tonnes, 1000 tonnes, je l'ignore. But I thought they were immovable, immovable. Mais j'avais l'impression qu'elles étaient absolument immobiles, qu'on ne pouvait les déplacer.
But then a little later, the water returned. Mais un peu plus tard, l'eau commençait à revenir. And it climbed. Et elle montait. Half an hour later. Et une demi-heure plus tard. I, as a 12-year-old boy. Moi, petit garçon de 12 ans. Stood at the pier. Je me tenais vers la digue. And with one leg. Et avec un pied, une jambe. I could move the barge. Je pouvais bouger cette barge. And the Holy Spirit spoke to me years later. Et le Saint-Esprit m'a parlé des années plus tard. When we preach the gospel of Jesus Christ, the tide comes in. Quand nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ, la marée monte. The immovable will be movable. Ce qui était immobile va être déplacé. The incurable is curable. Ce qui n'est pas guérissable est guéri. The impossible is possible. L'impossible devient possible. Switzerland shall float in the glory of God. La Suisse va flotter dans la gloire de Dieu. Hallelujah. 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 And what is considered absolutely hopeless, I tell you, Jesus Christ is the hope for the hopeless. Et tout ce qui est considéré comme désespéré, j'aimerais vous dire, Jésus est l'espérance pour ceux qui sont dans le désespoir. Because Jesus saves. Car Jésus sauve. Europe will be saved. L'Europe sera sauvée. By the power of the blood of Jesus Christ. Par la puissance du sang de Jésus-Christ. Africa is being saved. L'Afrique est en train d'être sauvée. Last week, Benny Hinn had a mighty crusade in Nigeria. La semaine passée, Benny Hinn a tenu une croisade puissante au Nigeria. What mighty crowds! What mighty and glorious results! Quelles immenses foules! Quels résultats puissants et glorieux! And not only there, but other continents on the earth. Et non seulement là-bas, mais dans d'autres continents sur la terre. It is harvest time. C'est le temps de la moisson. It is harvest time. C'est le temps de la moisson. The time has come. Le temps est venu. Amen. Amen. And God has not forgotten Switzerland. Et Dieu n'a pas oublié la Suisse. Amen. Amen. Blessed be the name of Jesus. Que le nom de Jésus soit béni. By the grace of God. Par la grâce de Dieu. I can say that since the year 2000. Je peux dire que depuis l'année 2000. I've seen in my own ministry 38.5 million people complete a decision card for salvation. J'ai vu 38,5 millions de personnes remplir une carte de décision. That is half the population of the whole of Germany. C'est la moitié de la population de toute l'Allemagne. I tell you, we serve a mighty God. Je vous le dis, nous servons un Dieu puissant. He is not with his back to the wall. Il n'a pas son dos au mur. Jesus is alive. Jésus est vivant. Hallelujah. 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 And he's doing great and mighty things. Et il fait des choses grandes et puissantes. I'm an evangelist. Je suis un évangéliste. I don't apologize for that. Et je ne m'en excuse pas. I'll tell you what the chief burden of my heart is. Je vous dis ce qui est le principal fardeau sur mon cœur. I want to see souls saved. Je veux voir des âmes sauvées. People must get saved. Les gens doivent être sauvés. And with the message of salvation flows the full anointing of the Holy Spirit. Et avec le message du salut coule la pleine onction du Saint-Esprit. Miracles happen. Les miracles se produisent. Healings. Les guérisons. Fantastic things. Des choses fantastiques. We witnessed a man who was brought in a coffin to my meeting. Nous avons vu un homme venir dans une de mes réunions dans un cercueil. 3 days he was in the mortuary. Pendant 3 jours, il était dans la chambre froide. His body was embalmed. Son corps a été embaumé. And they brought him while I preached. Et ils l'ont amené alors que je prêchais. His wife said. Sa femme a dit. The anointing of the Lord is so powerful where this man preaches. The coffin only needs to come into
into proximity and my husband will become alive. Sa femme a dit, l'onction est tellement puissante là où cet homme de Dieu prêche que s'il vient simplement dans la présence de cet homme, de cette onction, alors il retrouvera la vie. And while I preached and while I prayed, et alors que je prêchais et priais, not even knowing, I didn't know there was a coffin and a corpse. Et je ne savais même pas qu'il y avait là un cercueil et un corps à l'intérieur. Suddenly that man, soudainement cet homme, began to breathe, a commencé à respirer, and he got out, et il est sorti, and he preaches the gospel today, et il prêche l'évangile aujourd'hui. Alléluia! Alléluia! I want to say to everybody, Jesus is not here to dig us in, he is here to dig us out. J'aimerais vous dire quelque chose ici ce soir. Dieu n'est pas là pour nous enterrer, il est là pour nous déterrer. You will be dug out. Tu vas être déterré. Because he said, I am the resurrection and the life. Parce qu'il a dit, je suis la résurrection et la vie. Say amen. Dis amen. Jesus is alive. Jésus est vivant. And Jesus is here. Et Jésus est ici. We serve a mighty God. Nous servons un Dieu puissant. I was also very blessed to meet my dear brother Charles Difone here tonight. J'ai été très béni de rencontrer aussi mon frère Charles Difone ce soir. Je veux dire hier. I heard so much about him, and it is only yesterday that I saw him for the first time. J'ai entendu tellement parler de lui, et c'est seulement hier que je l'ai rencontré pour la première fois. I think this is so wonderful. He sends me to Nigeria and him to Germany. It's so wonderful. Je pense que c'est merveilleux. Dieu est merveilleux. Il m'envoie au Nigeria et lui en Allemagne. C'est extraordinaire. That's how God does it. C'est comme ça que Dieu fait les choses. C'est comme ça que Dieu fait. C'est comme ça que Dieu fait. Praise be to God. Hallelujah. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. And I have been saying in Nigeria, I say all the time, I'm not coming to preach in Nigeria because Germany is such a holy place. It's not at all a holy place. Et je leur dis toujours quand je vais au Nigeria, quand je prêche au Nigeria, vous savez, je viens prêcher chez vous, c'est pas parce que l'Allemagne est un pays saint, c'est pas du tout un pays saint. Well, I said, I come to preach in Nigeria on condition that you go and preach in Germany. Je leur dis, je viens prêcher au Nigeria à condition que vous veniez prêcher en Allemagne. I see how the Holy Spirit is orchestrating everything. Et regardez comment le Saint-Esprit orchestre tout. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. I'm coming to my scripture. J'arrive à mon verset dans un moment. My heart, mon cœur is burning. I want to see souls saved. Mon cœur brûle, je veux voir des âmes sauvées. And miracles follow the preaching of the word. Et les miracles suivent la prédication de la parole. This is how the anointing functions that God has given in my life. C'est comme ça que l'onction que Dieu m'a donnée fonctionne dans ma vie. I don't just want the sick to be healed. Je ne veux pas seulement que les malades soient guéris. I want their souls to be saved. Je veux que les âmes soient sauvées. Jesus died for more than physical healing. Jésus est mort pour plus que la guérison physique. He died for eternal purposes. Il est mort pour des desseins éternels. For our souls to be saved. Pour que nos âmes soient sauvées. Sickness is not the ultimate evil. La maladie n'est pas le mal ultime. Therefore, healings are not the ultimate good. C'est pourquoi les guérisons ne sont pas le bien ultime. Sin is the ultimate evil. Le péché est le mal ultime. Therefore, salvation from sin is the ultimate good. C'est pourquoi le salut du péché, être sauvé du péché, c'est le bien ultime. And Jesus is here to do both. Et Jésus est ici pour faire les deux. To save to the uttermost and to heal gloriously. Pour sauver totalement et pour guérir glorieusement. Amen. Amen. Every time I take the microphone, chaque fois que je prends le microphone, it burns in my heart. Ça brûle dans mon cœur. I want hell empty and heaven full. Je veux l'enfer vide et le ciel plein. This is why Jesus died. C'est pour cela que Jésus est mort. Jesus did not die on the cross just for pastors to have a well-paid job. Jésus n'est pas seulement mort sur la croix, simplement pour que les pasteurs aient un travail bien payé. Jesus was not raised on the cross just to raise our standard of living. Jésus n'est pas monté sur la croix pour monter notre niveau de vie.
But Jesus died according to his own mouth to seek and to save those who are lost. Mais Jésus est mort sur la croix selon ses propres paroles pour sauver, pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jesus saves. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus sauve. Jesus saves. Jésus sauve. Hallelujah. Hallelujah. Jesus saves. Jésus sauve. I also want to tell you what I believe. J'aimerais vous dire également ce que je crois. I believe that heaven is going to be bigger than hell. Je crois que le ciel sera plus peuplé que l'enfer. Heaven will be bigger than hell. Le ciel sera plus grand que l'enfer. I said that in a German church one day. J'ai dit cela dans une église en Allemagne une fois. Afterwards, the elders intercepted me. Après, les anciens m'ont intercepté. Said, how can you say such a thing? Ils m'ont dit, mais comment peux-tu dire une chose pareille? Heaven will be bigger than hell. Le ciel sera plus grand que l'enfer. I say because, yes, they said, didn't you read Matthew 7? Broad is the way that leads to damnation. N'as-tu pas lu, m'ont-ils dit, Matthieu 7, large est le chemin qui mène à la perdition. Many are those who walk on it. Et il y en a beaucoup qui y vont. Narrow is the way that leads to eternal life. Et le chemin qui mène à la vie éternelle est étroit. Few are those who walk on it. Et il y en a peu qui y marchent. I say, yes, I read it. J'ai dit oui, je l'ai lu. But because of it, I believe heaven is going to be bigger than hell. Mais à cause de cela, je crois que le ciel sera plus grand que l'enfer. They say, what do you mean? Et ils m'ont dit, que veux-tu dire? I say, I tell you what I mean. J'ai dit, je vais vous dire ce que je pense. When Jesus spoke those words about the highway to hell. Quand Jésus a prononcé ces paroles à propos de l'autoroute vers l'enfer. The very moment. À ce moment-là, he planted his cross in the middle of that highway. Il a planté sa croix au milieu de cette autoroute. The cross of Calvary is the biggest roadblock of all times. La croix du calvaire est le plus grand obstacle de tous les temps. Hallelujah. Hallelujah. And we stand at the foot of the cross. Et nous nous tenons au pied de la croix. And we preach, be ye reconciled with God. Et nous prêchons, soyez réconciliés avec Dieu. We preach, repent and believe. Nous prêchons, repentez-vous et croyez. And the word repent means change of direction. Se repentir signifie changer de direction. Yes. Oui. Most people are on their way to hell, but don't arrive in hell because they change their direction. They arrive in heaven. La plupart des gens sont sur l'autoroute de l'enfer, mais à un moment ils changent de direction et ils vont dans le ciel. Amen. Amen. I'm not swearing when I say. Je ne jure pas lorsque je dis. To hell with the devil and to heaven with the people. Que le diable aille en enfer et que les gens aillent au ciel. Because hell was made for him. Parce que l'enfer a été fait pour lui. Hell was made for the devil, it was not made for people. L'enfer a été fait pour le diable et non pas pour les gens. So may the devil go to hell. Alors que le diable aille en enfer. But you and I and Switzerland as a whole, may it go to heaven in Jesus' name. Mais vous et moi et toute la Suisse, que nous allions au ciel. Et à Jésus-Christ soit toute la gloire. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God in the highest. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. This is what keeps me going. C'est ça qui me fait aller. Now, tonight. Ce soir, I'll do what I also do in Africa. Je vais faire ce que je fais aussi en Afrique. Wherever I preach, quand je prêche, I preach the gospel, the ABC of the gospel. Je prêche l'évangile, l'ABC de l'évangile. I know the XYZ, don't worry. Je connais le XYZ, ne vous en faites pas. But I preach the ABC. Mais moi, je prêche l'ABC. The XYZ, I leave to my colleagues. XYZ, je laisse ça à mes collègues. But between us, we preach the whole alphabet. Mais entre nous, nous prêchons tout l'alphabet. But I stick to the ABC. Mais moi, j'en reste à l'ABC. I'm an evangelist. Je suis un évangéliste. Hallelujah. Hallelujah.
Amen. Amen. I preach. Je prêche. That Jesus saves. Que Jésus sauve. I want to share with you something the Holy Spirit laid on my heart. J'aimerais vous partager quelque chose que le Saint-Esprit a déposé sur mon cœur. I have preached on it many times. Je l'ai prêché plusieurs fois. But I feel a fresh anointing every time. Mais je ressens une onction fraîche chaque fois que je le lis. Let's turn to John chapter 8. Prenons dans Jean au chapitre 8. I would like to read the first 11 verses. J'aimerais lire les premiers 11 versets. Now early in the morning Jesus came again into the temple and all the people came to him and he sat down and taught them. Mais dès le matin, il se rendit de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Cela parle de Jésus. Il s'assit et les enseignait. Then the scribes and Pharisees brought to him a woman caught in adultery, and when they had set her in the midst, they said to him, "Teacher, this woman was caught in adultery in the very act." Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. » Now, Moses in the law commanded us that such should be stoned, but what do you say? Moïse dans la loi nous a prescrit de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? This they said, testing him, that they might have something of which to accuse him. But Jesus stooped down and wrote on the ground with his finger as though he did not hear. Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre comme s'il n'entendait pas. So when they continued asking him, he raised himself up and said to them, "He who is without sin among you, let him throw a stone at her first." Comme ils persistaient à le questionner, il se redressa et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. » De nouveau, il se baissa et se mit à écrire sur la terre. Then those who heard it, being convicted by their own conscience, went out one by one, beginning with the oldest even to the last. And Jesus was left alone, and the woman standing in the midst. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés et jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. When Jesus had raised himself up and saw no one but the woman, he said to her, "Woman, where are those accusers of yours? Has no one condemned you?" Alors Jésus se redressa et lui dit, "Femme, où sont tes accusateurs? Personne ne t'a donc condamnée?" She said, "No one, Lord." And Jesus said to her, "Neither do I condemn you. Go and sin no more." Elle répondit, personne, Seigneur. Et Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. Jesus was on his way to the temple. Jésus était en route vers le temple. One, two, three, people spotted him. Et il y avait quelques personnes qui le regardaient. They came running around begging, saying, "Master, please, teach us about the kingdom of God." Et ils sont arrivés vers lui, courus après lui, et ils lui ont dit, « Maître, enseigne-nous à propos du royaume de Dieu. » Les gens aimaient cette prédication puissante qui sortait de la bouche de Jésus. Jesus complied. Et Jésus l'a fait. He sat down and taught them. Il s'est assis et il les a enseignés. When I read that, I always think, I wished I could have been a little mouse that day, just listening to the gospel coming out of the mouth of Jesus. Quand je lis ceci, je me dis chaque fois, j'aurais tellement voulu être une petite souris ce jour-là pour écouter la prédication de l'évangile qui sortait de la bouche de Jésus. What a beautiful day. Quel jour magnifique. Suddenly a big noise. Et soudain un grand bruit. A cloud of dust. Et un nuage de fumée, de poussière. Screaming, shouting. Et des gens qui crient, qui hurlent. That noisy group coming closer and closer. Et ce groupe bruyant qui s'approche de plus en plus. Jesus stopped speaking because everybody was distracted. Jésus arrête de parler parce que tout le monde était distrait.
And then they could see who these noisy people were. They were Pharisees, they were scribes, they were doctors of the law. Et soudain, les gens ont pu voir qui était cette foule bruyante. C'était des pharisiens, des scribes, des maîtres de la loi. In their midst, they had a woman. Et en leur sein, au milieu, il y avait une femme. That woman resisted them. Et cette femme leur résistait. That's why they kicked her and screamed and shouted. Et ils la battaient, ils la frappaient, ils criaient. And then the group arrived right there where Jesus was with his congregation. Et ce groupe est soudainement arrivé là où Jésus se tenait avec ceux qui étaient assemblés autour de lui. The chief Pharisee posed himself. Et les chefs pharisiens se sont présentés. With his long white beard. Avec leur longue barbe blanche. Piercing eyes. Et leurs yeux perçants. High pitched voice. Et avec leur voix aiguë. He shouted. Et il a crié. Teacher Jesus. Maître, enseignant, Jésus. This woman here, cette femme ici. We caught in the very act of adultery. Nous l'avons prise en flagrant délit d'adultère. The law of Moses says that she must be stoned to death. La loi de Moïse nous dit qu'elle doit être lapidée à mort. What do you say? Que dis-tu? Now this the Bible says was a trap. Et la Bible nous dit qu'il s'agissait là d'un piège. I quickly want to explain the trap and then I start preaching. J'aimerais rapidement expliquer le piège et ensuite je vais commencer à prêcher. The Pharisees said, les pharisiens disaient, we are sure that this Jesus is an imposter. Nous sommes certains que ce Jésus est un imposteur. He is a deceiver. Il est un séducteur. He cannot be the Messiah. They said, we are sure Jesus cannot be the Messiah. Il ne peut être le Messie. Nous sommes certains que Jésus n'est pas le Messie. Because we saw him with our own eyes, walking hand in hand with the biggest crook in Jericho into his house. Parce que nous l'avons vu, main dans la main, avec le plus grand escroc de Jéricho, et entrer dans sa maison. If Jesus was the Messiah, he would have smelled 10 miles against the wind that man was a rotten sinner. Si Jésus était vraiment le Messie, il aurait senti à 10 kilomètres que cet homme était un pécheur pourri. Then they said, we watched Jesus heal on a Sabbath. Ensuite, ont-ils dit, nous avons vu de nos yeux Jésus guérir lors d'un sabbat. Imagine the holy Sabbath. Imagine pendant le saint sabbat. And then tell the man he healed to pick up his mattress and walk home. Et ensuite, il a dit à cet homme de ramasser son matelas et de rentrer à la maison. Thus breaking the holy Sabbath. Et ça, c'est violer le saint sabbat. How could the Messiah break the holy Sabbath? Comment le Messie pourrait-il violer le saint sabbat? They said, no, no, this Jesus is a deceiver and we must expose him as such. To the whole nation. Ils ont dit, non, non, ce Jésus est un imposteur et nous devons le présenter comme tel à toute la nation. And then they said, this is what we will do. Et ensuite, ils se sont dit, voilà ce qu'on va faire. When Jesus is surrounded by a big crowd of people, lorsque Jésus sera entouré d'une grande foule de gens, we bring to him someone caught in the very act of adultery. Nous lui amènerons quelqu'un pris en flagrant délit d'adultère. That's not very difficult because there's always someone. Et c'est pas très difficile parce qu'il y a toujours quelqu'un. And then we will say to him. Et ensuite on va lui dire. The law of Moses, the word of God says. La loi de Moïse, la loi de Dieu dit cette personne must be stoned to death according to Leviticus chapter 20 verse 10. Cette personne doit être lapidée à mort selon Lévitique, chapitre 20, verset 10. But teacher, Jesus, what do you say? Mais toi, enseignant, Jésus, maître, que dis-tu? They said among themselves, he will surely say, I am the friend of the sinners, let that woman go. Ils se sont dit entre eux, il va certainement dire, je suis l'ami des pécheurs, laissez cette femme s'en aller. If Jesus had said that, si Jésus avait dit cela, the Pharisees would have said, les pharisiens auraient dit, people of Israel,
Peuple d'Israël, you heard with your own ears, vous avez entendu de vos propres oreilles, that Jesus has broken the law of Moses, que cet homme Jésus a brisé, violé he la loi de Moïse. Speaks against the law of Moses. Il parle contre la loi de Moïse. He is not the Messiah. Il n'est pas le Messie. If Jesus would have said the opposite, si Jésus avait dit le contraire, if he would have said, s'il avait dit, you are very correct, my dear Pharisees. Come on, boys, pick up the stones and give it to her. Vous avez tout à fait raison, mes amis les pharisiens. Prenez des pierres et jetez-les sur elle. They would have said, even Jesus has to recognize that we are the keepers of the law. Ils auraient dit, même Jésus doit reconnaître que nous sommes ceux qui détiennent la loi. And if Jesus would have given the instruction to stone that woman, the Roman occupation force would have stepped in. Et si Jésus avait dit de lapider cette femme, les autorités romaines seraient intervenues. So it was a trap. If he would have said yes, he would have been in trouble. If he would have said no, he would have been in trouble. That was the trap. Et donc voilà pourquoi c'était un piège. Si il disait oui, il aurait eu des problèmes. Et s'il avait dit non, il aurait aussi eu des problèmes. Et voilà ce qu'était le piège. And now I come to my first point. Et maintenant j'arrive à mon premier point. The Pharisees shouted one more time. Les pharisiens ont crié encore une fois. Teacher, maître, this woman must be stoned to death. That's what the word of God says. Cette femme doit être mise à mort. C'est ce que la parole de Dieu dit. Tell us. Dis-nous. What do you say? Que dis-tu? And Jesus opened his mouth. Et Jésus a ouvert sa bouche. Here comes the hammer. Et voilà le marteau. Jesus said. Jésus a dit. He who is without sin among you, throw the first stone at her right now. Que celui d'entre vous qui est sans péché jette la première pierre maintenant. It rang in every ear. Ça a résonné dans chaque oreille. He who is without sin among you. Que celui qui est sans péché parmi vous. Throw the first stone at her. Lui jette la première pierre. That moment something happened 2,000 years ago. What is happening this moment right here in this stadium? À ce moment-là, c'est passé il y a 2000 ans, ce qui se passe à cet instant même dans ce stade. The Holy Spirit began to move. Le Saint-Esprit a commencé à agir. Here stood that old Pharisee ready to accuse Jesus of breaking the law of Moses. Voilà ce vieux pharisien qui se tenait là prêt à accuser Jésus de violer la loi de Moïse. It rang in his ear. Ça a résonné dans son oreille. He who is without sin, throw the first stone at her. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. Suddenly the Holy Spirit touched him. Et soudain le Saint-Esprit l'a touché. Just like that. Comme ça. And that Pharisee. Et ce pharisien had something he had never had in his whole life before. A eu quelque chose qu'il n'avait jamais eu dans toute sa vie jusqu'à présent. You want to know who told me? An eyewitness told me, the Holy Spirit himself. Vous savez qui c'est qui me l'a dit? Le Saint-Esprit en personne me l'a dit. Suddenly that Pharisee. Soudainement, ce pharisien, for the first time in his life, pour la première fois de sa vie, saw a vision, a eu une vision, a real vision, une réelle vision, with open eyes, avec des yeux ouverts, in broad daylight, dans la pleine lumière du jour. What did he see? Qu'a-t-il vu? He saw two tables of stone. Il a vu deux tables de pierre, with the Ten Commandments, avec les dix commandements. Five. 5 plus 5 plus 5 and he couldn't help et il n'a pas pu s'empêcher but read commandment number 1 de lire le commandement numéro 1 he read commandment number 1 il a lu le commandement numéro 1 then the next thing et ensuite la prochaine chose a terrible voice inside of him une voix terrible à l'intérieur de lui began to shout a commencé à crier more than shout plus que crier it began to thunder ça a commencé à être comme un tonnerre. Only one word. Seulement un mot. Guilty. Coupable. Guilty. Coupable. You are guilty. Tu es coupable. Oh. Commandment number 2. Commandement numéro 2. That same voice. Cette même voix. Shouting guilty. Criant coupable. Commandment number 3. Commandement numéro 3. Guilty. Coupable.
coupable. 4, 5. 4, 5. Guilty, guilty. Coupable, coupable. 6, 7, 8, 9, 10. 6, 7, 8, 9, 10. Guilty, 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 guilty. Coupable, 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 coupable. That old Pharisee looked left and right. Et ce vieux pharisien a regardé à gauche et à droite. He thought everyone had heard that voice that was screaming inside of him. Il pensait que tout le monde avait entendu cette voix qui criait à l'intérieur de lui. He began to perspire. Il a commencé à transpirer. And when he realized they were all busy with themselves. Et quand il a réalisé qu'ils étaient tous en train de s'occuper d'eux-mêmes. This is what the holy man did. Voici ce que l'homme saint a fait. He picked up his holy garment. Il a enlevé, pris ses vêtements. Put in the reverse gear. Il a mis la marche arrière. And went like that. Et il a fait comme ça. He was guilty. Il était coupable. He didn't dare to throw the first stone. Et il n'a pas osé jeter la première pierre. He realized. Il a réalisé. If I throw the first stone at that woman. Si je jette la première pierre à cette femme. That stone will kill her. Cette pierre va la tuer. But then it will bounce back like a boomerang. Et mais ensuite elle va rebondir comme un boomerang. And it will hit me too. Et elle va me frapper également. Because I'm also guilty. Parce que je suis aussi pécheur. If I throw the first stone at her, si je lui jette la première pierre, it's like committing suicide. C'est comme commettre un suicide. I better put in the reverse gear. J'ai meilleur temps de mettre la marche arrière. And he left. Et il est parti. He was guilty. Il était coupable. There was the second oldest Pharisee. Et il y avait le deuxième plus ancien pharisien. He heard. Il a entendu. He who is without sin among you throw the first stone at her. Que celui qui est sans péché lui jette la première pierre. The Holy Spirit touched him. Le Saint-Esprit l'a touché. His mind went back. Et ses pensées sont allées dans le passé. Just to last Wednesday. Juste mercredi passé, he saw himself in that chalet, il s'est vu dans ce chalet where he committed the very same sin he now accused that woman of. Où il commettait exactement le même péché qu'il accusait cette femme d'avoir commis maintenant. And he realized, et il a réalisé, if I throw the first stone, si je jette la première pierre, that stone will kill her. Cette pierre va la tuer. But then it will jump back like a football. Mais ensuite elle va rebondir comme un ballon de football. And it will hit me. Et elle va me frapper. Because I'm also guilty. Parce que je suis également coupable. I'm just as guilty. Et tout aussi coupable. Oh, where is my chairman? Où est mon associé? Oh, over there. Oh, il est là-bas. I better join him. Mon président, il faut que je le rejoigne. Reverse gear. Marche arrière. And then back. Et ensuite, il est parti en arrière. Très humblement, il s'est retiré. My Bible says from the oldest to the youngest. Ma Bible dit du plus vieux au plus jeune. They were all convicted that they were guilty before this Jesus Christ. Ils étaient tous convaincus d'être coupables devant ce Jésus-Christ. And this is the first lesson Jesus wanted to teach those people and has taught all generations, and this is what he wants us to learn here today as well. Et voilà la leçon, la première leçon que Jésus a enseignée aux gens de cette époque-là, qu'il a enseignée aux gens de toutes les générations et qu'il veut nous enseigner à nous qui sommes ici ce soir. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. And come short of the glory of God. Et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Is there anyone maybe in the stadium who has kept all the commandments of the Lord from the first day of his life? I would love to come to know you. S'il y avait une seule personne dans ce stade qui avait obéi à toute la loi de Dieu depuis sa jeunesse, depuis sa naissance, j'aimerais le rencontrer. I tell you, there is none. No, not one. Je vous dis, il n'y en a aucun, pas un seul. We are all sinners and come short of the glory of God. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Jesus stooped down and wrote with his finger on the ground. Jésus s'est baissé et il a écrit avec son doigt
dans la terre. The Bible doesn't say what he wrote on the ground. La Bible ne nous dit pas ce qu'il a écrit dans la poussière. There's been a lot of speculation about that. Il y a eu beaucoup de spéculations à ce sujet. Let me add my own speculation. J'aimerais ajouter ma propre spéculation. I believe Jesus wrote on the ground what the Holy Spirit now writes into your heart. Je crois qu'il a écrit sur le sol ce que le Saint-Esprit écrit maintenant dans votre cœur. Same word. Les mêmes mots. Over and over again. Encore et encore. Guilty. Coupable. Guilty. Coupable. All the world is guilty. Le monde entier est coupable. Before the living God. Devant le Dieu vivant. We are all sinners. Nous sommes tous pécheurs. Myself. Moi-même. And you. Et toi. And us all. Et chacun d'entre nous. Say amen. Dis amen. Now. Maintenant, I go a step further. J'avance d'un pas. How was it that day? Please tell me. Comment est-ce que c'était ce jour-là? S'il vous plaît, dites-moi. How was it in that meeting? C'était comment cette rencontre-là? Was there nobody without sin? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était sans péché? Nobody. Il y avait personne. Yes, there was one. Oui, il y en avait un. Only one without sin. Il n'y en avait qu'un seul qui était sans péché. And his name was Jesus. Et son nom était Jésus. The Bible says of Jesus. La Bible dit de Jésus. He who knew no sin. Celui qui n'a jamais connu le péché. Was made sin for us. A été fait péché pour nous. Jesus is the spotless Lamb of God. Jésus est l'agneau de Dieu sans tache. The only perfect man that has ever walked this world. Le seul homme parfait qui a jamais marché sur cette terre. Sinless Jesus. Le Jésus sans péché. He had the right to stoop down to pick up the first boulder and hit it into the face of that woman, hit it into the faces of those Pharisees, hit it into my face and your face, because we are all guilty. Lui le seul, Jésus, était capable de prendre ce premier rocher et de le jeter sur cette femme à terre, et ensuite de le jeter sur ces pharisiens, et ensuite de le jeter sur moi, et de le jeter sur toi et sur nous tous, parce que nous sommes tous pécheurs. But he didn't do it. Mais il ne l'a pas fait. Because he had stated before that the Son of Man had not come to destroy, but to save. Blessed, blessed, blessed be the name of the Lord. Parce qu'il l'avait dit auparavant, le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire, mais pour chercher et sauver ce qui était perdu. Béni, béni, béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Glory to God. Gloire à Dieu. Glory to God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Okay, that is understood, I'm sure. Je suis sûr que vous avez maintenant compris cela. Now. Maintenant. Let me turn to the woman for a moment. J'aimerais me tourner vers la femme quelques instants. When that woman was arrested by these holy men, I nearly said, let me rather say holy hypocrites. Quand cette femme a été arrêtée par... J'ai failli dire par ces saints hommes, mais je vais plutôt dire par ces saints hypocrites. When she was arrested, quand elle a été arrêtée, she looked into the eyes of these men. Elle a regardé dans les yeux de ces hommes. They said to her, "Today you're going to die for your sin." Ils lui ont dit, aujourd'hui tu vas mourir à cause de ton péché. She looked into the eyes of these men. Et elle a regardé dans les yeux de ces hommes. She said, "I think I know you." Et elle a dit, je crois que je te connais. And you, I've seen before too. Et toi, je t'ai aussi déjà vu. You're not better than I. Tu n'es pas meilleur que moi. You have no right to stone me. Tu n'as pas le droit de me you lapider. Have absolutely no right. Tu n'as absolument pas le droit de me lapider. But the majority was against her. Mais la majorité était contre elle. And they said, come on. Et ils lui ont dit, allez. We'll take you to a place and then you will be stoned to death. On va te prendre quelque part et on va te lapider à mort. She resisted. Et elle résistait. They kicked her. Et il l'a poussée, il l'a frappée. Il la battait. She screamed, they shouted. Et elle hurlait et il criait. Oh my God. Oh mon Dieu. And then. Et ensuite. One more long kick. Un grand coup de pied suivi après. And the woman was thrust forward and landed right at the feet of Jesus. Cette femme a été jetée à terre et elle a atterri juste aux pieds de Jésus.
For a moment she looked up. Et pour quelques instants, elle a regardé en haut. And for a second, she looked into the eyes of Jesus. Et pour une seconde, elle a regardé les yeux de Jésus. When she looked into the eyes of Jesus, she got the shock of her life. Et quand elle a regardé dans les yeux de Jésus, elle a eu le choc de sa vie. For the first time in her life, pour la première fois dans sa vie, she had seen sinless eyes. Elle a vu des yeux sans péché. It shocked her. Ça l'a choqué. She fell down. Elle est tombée par terre encore plus bas. She said to her, elle s'est dit à elle-même, whatever this man says, quoi que dise cet homme-là, whatever his judgment is, quel que sera son jugement à lui, death or life, la mort ou la vie, I will accept it. Je l'accepterai. He is different. Il est différent. I will abide by his judgment. Je m'en tiendrai à son jugement. Then she heard the question of the Pharisee. Et ensuite, elle a entendu la question du pharisien. Jesus. Jésus. Moses says this woman must be stoned to death. Moïse dit que cette femme doit être lapidée à mort. What do you say? Que dis-tu? That woman was so nervous. Cette femme était tellement nerveuse. So mixed up. Tellement confuse. She didn't hear the first part of the answer Jesus gave. Elle n'a pas entendu la première partie de la réponse que Jésus a donnée. She didn't hear when he said. Elle n'a pas entendu quand il a dit. He who is without sin among you. Que celui qui est sans péché parmi vous. She only heard when he said. Elle a seulement entendu quand il a dit. Throw the first stone at her. Lui jette la première pierre. She put her arms over her head. Elle a mis ses bras sur sa tête. She began to cry again. Elle a commencé à pleurer à nouveau. Yes. Oui. I have deserved every stone. Je mérite chaque pierre. Yes. Oui. I am a sinful woman. Je suis une femme pécheresse. I have lived a dirty life. J'ai vécu une vie sale. Please throw the stones quickly. S'il vous plaît, lancez les pierres rapidement. Don't be so cruel. Don't wait so long. Ne soyez pas cruel. Ne me faites pas attendre plus longtemps. I have deserved every stone. Je mérite chaque pierre. And when the stone didn't come, et quand les pierres ne sont pas venues, she dared to look up. Elle a osé regarder en haut. And I read one sentence that touches me most. Et je lis une phrase qui me touche au plus haut point. It says there. Il est dit là. And Jesus was left alone and the woman. Et Jésus fut laissé seul avec la femme. Tonight you sit among many people. Ce soir, tu es assis au milieu de beaucoup de gens. But I declare to you. Mais je te le dis. Right now. À cet instant même, alone with Jesus. Tu es seul avec Jésus. You are alone with Jesus. Tu es seul avec Jésus. That is the moment. C'est le moment of salvation. Du salut. Hallelujah. Hallelujah. That is the moment. C'est le moment of salvation. Du salut. Then Jesus said to her. Ensuite Jésus lui a dit. Woman, where are your accusers? Femme, où sont tes accusateurs? Has no one condemned you? Personne ne t'a donc condamné? She looked around. Elle a regardé autour d'elle. She says, Lord. Elle a dit, Seigneur. They are all gone. Ils sont tous partis. No one, Lord. Personne, Seigneur. Then Jesus said. Et ensuite Jésus a dit. Neither do I condemn you. Moi non plus, je ne te condamne pas. Go in peace. Va en paix. And sin no more. Et ne pêche plus. Alléluia. 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 The moment the heart of Jesus opened like a fountain. Au moment, à ce moment-là, le cœur de Jésus s'est ouvert comme une fontaine. A river of love flowed from his heart right into her. Et une rivière d'amour a coulé de son cœur droit dans le sien. Love. De l'amour. Love. L'amour. Oh, it was such a different love
to all the love she had ever known. C'était un amour tellement différent de tous les amours qu'elle avait connus jusque-là. She realized what I used to call love before this moment was not love, it was rottenness, it was death. Elle a réalisé tout ce que j'ai connu comme amour jusqu'à présent dans ma vie. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la pourriture. And when the love of Jesus touched her, et quand l'amour de Jésus l'a touchée, her chains fell off. Ses chaînes sont tombées. Her heart was free. Son cœur a été libéré. Hallelujah! Hallelujah! Glory to God! Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. What a wonderful Jesus! Quel merveilleux Jésus! What a wonderful Jesus! Quel merveilleux Jésus! Amen. Amen. I'm almost finished. J'ai bientôt fini. But I've got a few small points, maybe not so small. Mais j'ai peut-être encore quelques points, petits points, mais pas si petits. But they are the best. C'est les meilleurs. You want to hear more? Vous voulez entendre plus? Alléluia. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. Well, number one. Eh bien, numéro un. It is, I must say, some people consider this text a difficult text. Je dois dire que beaucoup de personnes considèrent ce texte comme un texte difficile. They say, ils disent, that it is indeed written in Leviticus 20 verse 10 and other corresponding scriptures that a man or a woman who commit adultery must be stoned to death. Ces gens disent, il est effectivement écrit dans Lévitique 20, verset 10 et confirmé dans plusieurs autres textes qu'une femme prise en flagrant délit d'adultère doit être lapidée à mort. Blow the dust from your Bible, it's also in yours. Enlevez la poussière de votre Bible, c'est également dans votre Bible. And these people say, et ces gens disent, Jesus had no right to go against the word of God. Jésus n'avait pas le droit d'aller à l'encontre de la parole de Dieu. They say Jesus should have fulfilled the word of God by picking up the stones to stone that woman. He was qualified to do so. Ils disent, ces gens, que Jésus aurait dû prendre une pierre et mettre cette femme à mort car il était qualifié pour le faire. They say this is a problem text. Ils disent, ce texte pose problème. It's amazing where some people see problems, I see the greatest of all blessings. Il est incroyable de voir que là où certaines personnes voient un problème, moi je vois les plus grandes bénédictions. I now want to give you the reason why Jesus did not execute that woman. Do you want to know? J'aimerais vous donner maintenant la raison pour laquelle Jésus n'a pas exécuté cette femme. Est-ce que ça vous intéresse de savoir pourquoi? You're welcome to forget my name, but don't forget what I tell you now. Vous pouvez oublier mon nom, mais n'oubliez pas ce que je vais vous dire maintenant. Jésus did not stoop down, ne s'est pas baissé, to pick up the first stone, pour ramasser la première pierre, with his hands, avec ses mains, because, parce que, at that moment, à ce moment-là, he was already on his way to Calvary to die in the place of that woman. Il était déjà en chemin vers le calvaire pour mourir à la place de cette femme. He took her sin and her death sentence from her and put it on himself. Il a pris son péché et sa sentence de mort et il a pris cela sur lui-même. And he went to Calvary to die in her place. Et il est allé au calvaire pour mourir à sa place. Alléluia. Jésus died for that woman. Est mort pour cette femme. Jésus died for me. Est mort pour moi. Jésus died for you. Est mort pour toi. Alléluia. Alléluia. He took our sin and our death penalty upon himself. He died in our place and we are free. Il a pris le péché sur lui. Il a pris notre sentence de mort sur lui. Il est mort à notre place et nous sommes libres.
If you accept this gift of grace, you will be free and saved and have eternal life. Si tu acceptes ce cadeau du salut et de grâce, tu seras libre et tu auras la vie éternelle. I don't know with what bondage or sin you have come into this stadium here tonight. Je ne sais pas avec quelle chaîne et quel péché tu es venu dans ce stade ce soir. In a few moments, Jesus will take your curse from you. Dans quelques instants, Jésus va prendre la malédiction qui est sur toi. He will give you his peace. Et il va te donner sa paix. And he will send you home. Et il va t'envoyer à la maison. With a peace that passes all understanding. Avec la paix qui surpasse toute intelligence. In the Christian religion, dans la religion chrétienne, nobody needs to be executed because Jesus died for us all. Personne n'a besoin d'être exécuté car Jésus est mort pour chacun d'entre nous. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. Gloire à Dieu. No matter what the hypocrites say. Qu'importe ce que les hypocrites disent. They wanted to see that woman dead. Ils voulaient voir cette femme morte. Let me tell you this. J'aimerais vous dire ceci. You know, there are a few things I don't understand in this story. I will share with you one point I don't understand. Vous savez, il y a deux trois choses que je ne comprends pas dans cette histoire et je vais vous partager un des points que je ne comprends pas. A woman can do many, many, many things, but there is one thing a woman can never, 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 ever do. Il y a des choses, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qu'une femme peut faire, mais il y a une chose qu'une femme ne peut jamais, jamais, jamais faire. A woman can never commit adultery all by herself. Une femme ne peut pas commettre l'adultère toute seule. The Bible says. La Bible dit. The Bible says. La Bible dit. That she was caught in the very act. Qu'elle a été prise en flagrant délit. Now my question is. Alors ma question est. What happened to the man? Qu'est-il arrivé à l'homme? I would have loved to know who he was. J'aurais aimé savoir qui c'est. Shall I tell you what I think who he was? Vous voulez savoir qui je pense il était? Do you want to know? Vous voulez savoir? But don't tell anybody else. Mais ne le dites à personne d'autre. He was a Pharisee. C'était un pharisien. Never trust a hypocrite. Ne faites jamais confiance aux hypocrites. Even if he comes in a holy garment, don't trust a hypocrite. Même s'il vient avec des vêtements saints, ne fais jamais confiance à un hypocrite. This is the hypocrisy of this world. C'est l'hypocrisie de ce monde. Jesus said, "I'm the way and the truth and the life." Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. What a wonderful Jesus! Quel merveilleux Jésus! And this Jesus is here. Ce Jésus est ici. To save you. Pour te sauver. Amen. Amen. One other little point. Okay. Encore un petit point, d'accord? I'm almost done. J'ai bientôt fini. One more little point. Encore un petit point. Here may be some people. Il y a peut-être des gens who say, qui disent Bonke, this message is not for me. Bonke, tu sais, ce message n'est pas pour moi. I'm too young. I never had anything to do with je suis adultery. Trop jeune, je n'ai jamais rien eu à voir à faire avec l'adultère. Well, I can only say to you, God bless you. Keep eh bien, it up. Je peux dire que Dieu te bénisse, continue comme ça. Here may be some wife. Il y a peut-être une femme and she says, this qui message dit is not for me. Ce message n'est pas pour moi. Because I've been faithful to my husband from the first day till now. Parce que j'ai été fidèle à mon mari depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Wonderful, wonderful, congratulations, keep it up. Merveilleux, merveilleux, félicitations, continue. But listen to this now. Mais écoute ceci maintenant. Please listen. Écoute ceci maintenant, s'il te plaît. And don't forget. Et n'oublie pas. You can have forgiveness for your biggest sin, but you need forgiveness for your smallest sin. Tu peux recevoir le pardon pour tes plus grands péchés, mais tu as également besoin du pardon pour tes plus petits péchés. It may sound strange, but the truth is, the size of sin doesn't really matter to God. Cela peut sembler étrange, mais la réalité est que la grandeur du péché importe peu à Dieu. If you have big sins or small sins,
The fact remains, we all need the Savior. Si tu as des grands péchés ou des petits péchés, ce fait reste là, que nous avons tous besoin de pardon pour nos péchés. Some have 99,000 sins and someone else only 9 sins. Quelqu'un a peut-être 99 000 péchés et un autre a 9 péchés. To the one with many sins, I will say to you, Jesus is here to forgive them all in the split of a second. Pour celui qui a plein de péchés, je suis là pour te dire que Jésus peut pardonner tous tes péchés en un instant. And to the small sinner, I would say, if you leave this hall without bringing your sins to Jesus, those small sins will take you to hell. Et celui qui a des petits péchés, je peux te dire ceci, si tu quittes ce stade ce soir avec tes petits péchés, ces plus petits péchés vont t'amener en enfer. We all need Jesus. Nous avons tous besoin de Jésus. We all need Jesus. Nous avons tous besoin de Jésus. Everyone here needs Jesus, this wonderful Jesus who died in our place. Chacun d'entre nous a besoin de Jésus, ce merveilleux Jésus qui est mort à notre place. Amen. Amen. One more small thing. Encore une petite chose. Just one more minute. Encore une minute. But my minute has got more than 60 seconds. Mais ma minute a plus de 60 secondes. You know, vous savez, ce qui me choque, c'est le fait that those Pharisees, when they were convicted by the Holy Spirit of their own sinfulness, lorsque ces pharisiens ont été convaincus de leur propre péché, they put in the reverse gear, ils ont mis la marche arrière, and then went back, et ils se sont retirés. I say to myself, et je me dis à moi-même, how is it possible? Comment est-il possible that some people, que des gens, when the Holy Spirit touches them, quand le Saint-Esprit les touche, still put in the reverse gear, mettent la marche arrière tout de même? Those Pharisees run away from the only one who could have ever saved them. Ces pharisiens se sont enfuis loin du seul qui pouvait les sauver. What a tragedy! Quelle tragédie! What a tragedy! Quelle tragédie! Throughout eternity! Dans toute l'éternité! For people! Pour les gens! Who are too proud! Qui sont trop fiers! Too arrogant! Trop arrogants! To come and kneel where that woman knelt. Pour venir et s'agenouiller là où cette femme s'est agenouillée. I think if I had been there, je crois que si j'avais été là, and I think if the Holy Spirit would have convicted me of my sin, et je crois que si le Saint-Esprit m'avait convaincu de mon péché, I don't think I would have gone back. Je ne crois pas que je me serais retiré. I would have run forward. J'aurais couru en avant. As fast as I could, aussi vite que j'aurais pu, I would have knelt next to that woman. Je me serais agenouillé à côté de cette femme. I would have lifted my hands. J'aurais levé mes mains. I would have said, et j'aurais dit, Lord Jesus, Seigneur Jésus, I did not commit adultery, je n'ai pas commis l'adultère, but I have a thousand other sins. Mais j'ai mille autres péchés. Oh Lord, forgive me as you forgave her. Oh Seigneur, pardonne-moi comme tu lui as pardonné. I need also your forgiveness. J'ai aussi besoin de ton pardon. Save me as Sauve you saved moi her. Comme tu l'as sauvé. Tonight, ce soir, there is a room at the cross for il y a you. De la place à la croix pour toi. Millions have knelt where that woman knelt. Des millions se sont agenouillés là où cette femme s'est mise à genoux. Tonight, ce soir, is your night. C'est ta soirée. This moment, ce moment-ci, you are alone with Jesus. Tu es seul avec Jésus. And now Jesus is here. Et maintenant Jésus est ici. To save you. Pour te sauver. Say amen. Dis amen. And now really my last point. Et maintenant réellement mon dernier point. When those men grabbed that woman, quand ces hommes ont attrapé cette femme, that guilty woman, cette femme coupable,
They said to her, ils lui ont dit, today you will die. Aujourd'hui tu mourras. Today you will be stoned to death. Aujourd'hui tu seras lapidé à mort. We will kick you into the grave. Nous allons te jeter dans la tombe. And they kicked her. Et il la frappait. And kicked her. Et il lui donnait des coups de pied. Wow. Wow. That woman cette never femme had on her calendar n'avait that jamais she eu was to attend a gospel crusade with Jesus as the preacher. Jésus n'avait jamais imaginé qu'un jour dans son agenda de vie, elle aurait une rencontre avec Jésus comme prédicateur. She would have never done so. Elle ne l'aurait jamais choisi. She said, I'm not a religious person, you know. Elle se serait dit, tu sais, je ne suis pas une personne religieuse. As if that was the point. Comme si ça c'était le point. Religious or not. D'être religieux ou non. It is appointed unto man once to die and after that judgment. Anyone, religious or not. Il est réservé aux hommes de vivre une seule fois après quoi vient le jugement, religieux ou non. And just by accident. Et juste par chance. By accident. Par un accident, une coïncidence. Those hypocrites kicked that woman to the only one between heaven and earth who could have ever saved her. Ces hypocrites ont jeté cette femme aux pieds de la seule personne entre le ciel et la terre qui pouvait jamais, qui aurait jamais pu la sauver. Hallelujah. Hallelujah. I must confess. Je dois confesser. I sometimes feel like kicking too. Que j'ai l'impression de donner trop de coups. Because I don't understand why some people are so stubborn that they don't want to come to Jesus. Parce que je ne comprends pas pourquoi certaines personnes sont tellement têtues pour ne pas venir à Jésus. Non non non. Non non non. Don't worry. Ne vous inquiétez pas. I will kick nobody. Je ne vais frapper personne. Because in heaven. Parce qu'au ciel. Will only be volunteers. Il n'y aura que des volontaires. And nobody is going to be kidnapped to heaven. Et personne ne sera kidnappé au ciel. You've got to come to Jesus yourself. Il faut que tu viennes à Jésus toi-même. And I would like to put my arm around you tonight. Mais j'aimerais mettre mon bras autour de toi ce soir. Around your shoulders. Autour de ton épaule. And I would say to you. Et te dire. Come on, my friend. Viens, mon ami. Come to Jesus. Viens à Jésus. This day. Aujourd'hui. Is the day of your salvation. C'est le jour de ton salut. And if you are a backslider. Et si tu es un rétrograde. If you are a backslider. Si tu es un rétrograde. Please come. S'il te plaît. I don't know why people always have to slide away from Jesus. Je ne sais pas pourquoi les gens doivent toujours un peu s'enfuir loin de Jésus. Today I'm asking you to slide away from the devil, backslide from the devil. Aujourd'hui, je te demande de glisser loin du diable. And slide to Jesus. Et de glisser vers Jésus. Why must people always slide away from Jesus? Pourquoi est-ce que les gens glissent loin de Jésus? Slide away from the devil because Jesus is waiting for you. Glisse loin du diable parce que Jésus t'attend. And no matter what your bondage is, et peu importe quelles sont tes chaînes, Jesus loves you. Jésus t'aime. People come to me and they say, les gens viennent à moi et ils disent, Reinhard, will you pray for me? Reinhard, veux-tu prier pour moi? I belong to another religion. J'appartiens à une autre religion. Will you pray for me? Veux-tu prier pour moi? I say, of course. Je dis, bien sûr. And this is what I tell them. Et voici ce que je leur and dis. This is what I tell you tonight. Et voici ce que je te dis ce soir. The love of Jesus discriminates against nobody. L'amour de Jésus ne fait aucun favoritisme. He will save you, he will heal you. Il te sauvera et il te guérira. Jesus did not heal people to put them under pressure. Jésus n'a pas guéri les gens pour les mettre sous pression. He healed them because they were sick. Il les a guéris parce qu'ils étaient malades. And because he loved them no matter who they were. Et parce qu'il les aimait qu'ils soient. And tonight this indiscriminate love of Jesus. Et ce soir cet amour indiscriminé de Jésus. This wonderful Jesus. Ce merveilleux Jésus. Will put his arm around you. Va mettre son bras autour de toi. He will save you. Et il va te sauver. He will forgive you. Il va te pardonner. And he will heal you. Et il va te guérir. In Jesus name. Au nom de Jésus. Are you ready? Es-tu prêt? Hallelujah. Hallelujah. Let's close our eyes in prayer, please. Fermons nos yeux dans la prière, s'il vous plaît. Let's close our eyes in prayer. Fermons nos yeux dans la prière. Could I have
some light, some more light, please. Est-ce que je pourrais avoir plus de lumière, s'il vous plaît? Can you switch on the light a little bit? Est-ce que vous pouvez allumer un petit peu la lumière à l'intérieur? While all eyes are closed. Alors que tous les yeux sont fermés. And we are in the holy presence of God. Et que nous sommes dans la sainte présence de Dieu. I want to ask. J'aimerais demander. Who's here today? Qui est ici aujourd'hui? Whose heart is filled with sin? Dont le cœur est rempli de péché. And you are bound by evil and unclean habits. Et tu es lié par de mauvaises et impures habitudes. But you want to come to Jesus. Mais tu veux venir à Jésus. Like that woman did. Comme cette femme a fait. I knelt with her. Je me suis agenouillé avec elle. Millions have knelt with her. Des millions se sont agenouillés avec elle. This moment is your moment. Ce moment-ci est ton moment. Jesus is ready to save you. Jésus est prêt à te sauver. To forgive you. À te pardonner. He will take your curse here today. Il va prendre ta malédiction ici aujourd'hui. And give you his peace. Et te donner sa paix. And send you home. Et te t'envoyer à la maison. As a new creation. Comme une nouvelle créature. While all eyes are closed. Alors que tous les yeux sont fermés. I want to ask. Je veux te demander. Who is here right now? Qui est ici maintenant? Who wants to say, Lord Jesus? Qui veut dire Seigneur Jésus? I'm ready to kneel where that woman is. Je suis prêt à m'agenouiller là où cette femme s'est agenouillée. I'm asking you to forgive me my sins. Je te demande de pardonner mes péchés. Wash me with your precious blood. Lave-moi par ton sang précieux. If you want Jesus, si tu veux Jésus, to save you, qu'il te sauve. As he saved that woman and as he saved me, comme il a sauvé cette femme et qu'il m'a sauvé. And multitudes of other people. Et une multitude d'autres gens. Even if you are a backslider, même si tu es un rétrograde. Then I'm asking you, alors je te demande. Just lift your hand, simplement lève ta main. That I can see and pray for you. Pour que je puisse te voir et prier pour lift toi. Your hand, lève ta main. I would like to acknowledge it. J'aimerais te reconnaître. Jesus is here to save you. Jésus est ici pour te Let sauver. Jesus see your hand, que Jésus voit ta main. Your big sins will be forgiven. Tes grands péchés seront pardonnés. Your small sins will be forgiven. Tes petits péchés seront pardonnés. Just wave your hand that I can see a little bit better. Lève simplement la main pour que je puisse mieux te voir. Thank you, thank you. Merci, thank merci, you, merci, thank merci, you, merci. Thank you. Glory to God. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Hallelujah. Hallelujah. There's joy in heaven over many sinners. Il y a de la joie dans le ciel pour plusieurs pécheurs qui viennent à la repentance ce soir. I guarantee in the name of Jesus. Je te garantis au nom de Jésus. Whosoever calls upon the name of the Lord Jesus tonight shall be saved and you will be saved. Que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus dans ce lieu ce soir sera sauvé. I'm asking everybody to stand. Et est sauvé. J'aimerais demander à tout le monde de se lever. I'm asking everybody to stand. Je demande à tout le monde de se lever. And those of you who raise their hands. Et ceux d'entre vous qui avaient levé la main, or should have raised their hands. Ou qui auraient dû lever la main, come forward. Venez devant ici. I wait for you here. Je vous attends ici. I want to pray with you here. Je veux prier avec vous ici. Come. Venez. This is the greatest moment of your life. C'est le plus grand moment de ta vie. I'm now praying for those. Et maintenant nous allons prier pour ceux who want to be washed from sin. Qui veulent être lavés de leurs péchés. Receive Jesus. Et recevoir Jésus dans leur vie comme Come Seigneur. Right now, venez maintenant. We can have some music. Si on peut avoir un peu de musique. Hallelujah. Hallelujah. Come in Jesus' name. Venez au nom de Jésus. Come down from the top as well. Venez de Those tout en haut. Who want to be venez near des gradins. Where that woman is. Ceux qui veulent s'agenouiller avec cette femme you comme elle s'est agenouillée. Ceux qui veulent être lavés dans le sang précieux de Jésus. From all your sin. De tous tes péchés. Come and give your heart and life to him. Viens et donne ta vie et ton cœur à lui. Alléluia. 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 Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. You may kneel, you may not kneel, it doesn't matter. Tu peux t'agenouiller ou non, c'est égal. But you will bow your heart before God. Mais dans ton cœur, tu vas t'agenouiller devant Dieu. It's up to you. C'est à toi de décider. Amen. Amen. But now. Mais maintenant. You are alone with Jesus. Tu es seul avec Jésus. Now his blood is efficacious. Maintenant, to cleanse you son from sang, all your sin. Son sang est efficace pour te laver de tous tes péchés.
Let's sing a song. Chantons ce chant. People are still coming. Come. Les gens arrivent encore. I wait for you to come. Je vous attends. J'attends que vous arriviez. Venez de là où vous êtes. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Thank you, Jesus. Merci, Jésus. Oh, Lamb of God, I come. Je Just God, je suis sans rien à moi. Sinon ton sang versé pour moi. Ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle à toi. Je viens. Agneau de Dieu, je viens, je viens. They are still coming. One Ils more viennent time. Encore, chantons-le encore une fois. Je suis sans rien à moi. Thank you, Jesus. Sinon ton sang versé pour moi. Sinon ton sang versé pour moi. Ta voix qui m'appelle à toi. Ta voix qui m'appelle à toi. Agneau de Dieu. Agneau de Dieu. Je viens. Je viens. Je viens. Je viens. You may still come even Vous pouvez continuer à venir. While we are now praying. Même alors que nous sommes en train de prier. Just look at me for a moment. Regardez-moi maintenant quelques instants. I want to say to all of you who came. J'aimerais vous dire à vous tous qui êtes venus. Congratulations. Félicitations. This is the most important decision of your life. C'est la décision la plus importante de ta vie. If you came for the first time, si vous êtes venu pour la première fois, or you came as a backslider, ou si vous êtes venu comme un rétrograde, something eternal will happen in you now. Quelque chose d'éternel va se passer en toi maintenant. You will now receive something. Tu vas maintenant recevoir quelque chose you have never known before. Que tu n'as jamais connu auparavant. Jesus will take your death penalty and he will give you his life, which is eternal life. Jésus va prendre ta condamnation à mort et il va te donner sa vie, qui est la vie éternelle. Romans 10:13 says, "Whosoever calls upon the name of the Lord shall be saved." Romains 10:13 dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. We will now call upon the name of the Lord Jesus. Nous allons and then maintenant. You will be saved because God has said it. Nous allons maintenant invoquer le nom du Seigneur Jésus et tu seras sauvé parce qu'il l'a dit. And I say prophetically because the Holy Spirit speaks to me. Et je dis prophétiquement parce que le Saint-Esprit est en train de me parler. Chains are going to break right now. Des chaînes vont être brisées maintenant. Chains of addiction. Des chaînes d'addiction. Chains of pornography. Des chaînes de pornographie. Chains of drug addiction. Des chaînes d'addiction à la drogue. Chains of all uncleanness. Des chaînes de toute impureté. Chains of all depression. Des chaînes de toute forme de dépression. They break now. Vont être brisées maintenant. The joy of the Lord shall be your strength. Et la joie du Seigneur sera ta force. I would wish just close your eyes, please. J'aimerais vous demander simplement de fermer vos If yeux you maintenant. Can manage, si vous pouvez y arriver, just lift your hands to Jesus. Levez encore vos mains vers Jésus. Just if you can manage. Si vous pouvez y arriver, levez votre main. There is no technique. Il n'y a pas de technique. Jesus is just looking upon your heart. Jésus regarde simplement ce qu'il y a dans ton cœur. I want everyone to repeat this prayer after me. Everyone in support of those who are here kneeling in front. J'aimerais que tout le monde répète cette prière avec moi. Tous ceux qui sont dans la salle pour soutenir ceux qui vont prier cette prière ici devant. Involve your whole heart. Et du fond de ton cœur et de toute ta force. Say, dis. Dear Lord Jesus Christ, cher Seigneur Jésus-Christ,
Cher Seigneur Jésus-Christ, I come to you just as I am. Je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi tel que je suis. You know me through and through. Tu me connais complètement. I confess my sins to you. Je te confesse mes péchés. Forgive me my sins. Pardonne-moi mes péchés. Wash me with your precious blood. Lave-moi par ton sang précieux. Break every chain. Brise toute chaîne. I call upon your name. J'invoque ton nom. Jesus Christ, Son of God. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Save me now. Sauve-moi maintenant. I now put my faith alone in you. Je mets maintenant ma foi uniquement en toi. I believe with my heart. Je crois de mon cœur. What I speak with my mouth. Ce que je dis de ma bouche. I am now a child of God. Je suis maintenant un enfant de Dieu. I am a new creation. Je suis une nouvelle création. I will trust in Jesus. Je ferai confiance à Jésus. I believe it. Je le crois. I receive it. Je le reçois. I confess it. Je le confesse. In the name of Jesus, amen. Au nom de Jésus, amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. I want to bless you. Je veux vous bénir maintenant. I want to bless you. Je veux vous bénir. In the name of Jesus Christ, the Son of God. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Every chain be broken in the name of Jesus. Que chaque chaîne soit brisée au nom de Jésus. Every curse is now removed in the name of Jesus. Toute malédiction est maintenant ôtée au nom de Jésus. Every chain, even in the brain, is now broken in the name of Jesus. Toute chaîne, même dans les pensées, est maintenant brisée au nom de Jésus.